me tell you about my girlfriend Mona Lisa. She let somebody take a picture so she could be a fashionista. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre nouvelle émission du Marathon des Sables. Vous le voyez derrière moi, les premiers concurrents arrivent à l'aéroport de Ouarzazate. Allez, on va les voir. Yeah, very excited, beautiful place, so yeah, looking forward to the event. À chaque arrivée d'avion, je suis là pour l'organisation, pour les participants, parce que c'est normal, on prépare cette course depuis des mois. Toute l'énergie que vont donner les coureurs, un an d'entraînement, et tous les organisateurs qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ça mérite que je sois quand même là pour les accueillir. Hein. Puis ça fait des années que ça dure, et puis ça montre mon enthousiasme, ma passion, mon plaisir et ma bonne énergie que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Voilà, c'est l'accueil de tous les participants. Une poignée de main pour les accueillir, souhaiter la bienvenue au Maroc, hein, sous ce soleil magnifique. On est super contents, ça se passe bien, il y a un super accueil, tout le monde est heureux d'être là. C'est un an de préparation pour eux, c'est un an de préparation pour nous. Welcome my friend, welcome. Déjà contente d'être ici, c'est la 7e fois pour moi, 7e marathon. Toujours la joie de prendre le départ, on sait ce qui nous attend. Dans le sens effort, on sait que ça va être très dur, mais à côté de ça, on sait qu'on va traverser des paysages merveilleux, que ça va être super et que ça va être une super aventure. Oui, je vais emmener ma flûte, elle est très légère parce que moi je suis musicien, je joue au hautbois. Mais ça donne pour apporter parce que c'est une toute petite flûte piccolo. Je vais jouer une musique brésilienne comme ça, très fameuse, c'est un frevo. C'est comme ça. En effet, c'est un rêve d'être ici. Il y a 10 ans, j'habitais en France et j'ai connu 2-3 Français qui ont fait la Corse, le Marathon des Sables. Et ça me donne une idée, mais à l'époque, c'était juste une idée. Et puis cette année, je me suis décidé, bon, allez, on y va. Voilà, je suis inscrit et voilà, bien entraîné et j'espère que je suis prêt maintenant. Voilà. Alors, pour cette 31e édition, comme chaque année, vous allez nous suivre pendant 12 jours dans le désert, au milieu de tous ces concurrents. Voilà, maintenant je vous laisse avec les plus belles des images. Alors, vous les avez aimées ces images? Eh bien, toute la semaine, je vous garantis des images encore meilleures. Voilà, je vous laisse demain. Demain, on se retrouve dans le désert. Au revoir et à demain. Merci, arriba Guatemala! Aéroguate presente! Guatemala.